lancer la vidéo aux bonnes fêtes. J'espère que vous n'avez pas trop abusé comme moi. J'avais fait une vidéo sur le massage du bas du corps. Alors là, je vais faire une vidéo spécialement sur le massage du haut du corps, mais du dos. On va coupler ce massage avec quelques étirements afin que ce soit encore plus efficace. Imaginez une corde où il y a un nœud. Si vous tirez sur la corde, vous améliorez ce nœud. Du coup, ça ne va pas le faire. Il faut défaire le nœud et ensuite tirer sur la corde afin que ce soit efficace. Maintenant, on va faire la même chose sur le corps. On va défaire le nœud avec une balle. Ou si vous avez une canne de massage, n'hésitez pas à utiliser une canne de massage. On ne peut pas l'avoir partout, hein. En voyage ou bien quand on se déplace, c'est toujours cool d'avoir une balle avec soi. Une fois qu'on a relâché le nœud, on étire comme si on tirait cette corde pour le défaire. Ouais. Alors, pour le dos, vraiment simple. Vous placez la balle sur une zone qui vous embête. On va utiliser une échelle de perception de 1 à 10, 10 étant le plus dur. Vous devez vous situer pas plus haut que 7 sur 10, c'est beaucoup. Hein. 10, on tombe dans les vapes, donc 7 sur 10 environ. Vous placez cette zone qui vous embête. Une fois que vous l'avez trouvée, vous essayez de jouer un peu avec la balle pour trouver où est-ce qu'elle embête le plus. Là, c'est bon. Une fois qu'on a ça, on essaie d'avancer un petit peu les pieds pour en plus de pression, plus d'appui sur cette balle. Une fois que vous l'avez, soufflez, expirez et laissez-vous tomber complètement sur cette balle à condition que ça ne dépasse pas ces 7 sur 10. Et on inspire, on relâche environ 50% de la pression, on ne relâche pas totalement. Et on recommence en tout 5 à 6 fois. Donc expiration, je me laisse aller. Inspiration. Je relâche environ 50%. D'une fois qu'on a fait 5 à 6 fois, on le fait de l'autre côté. On a souvent un petit peu près la même hauteur. Même chose. Donc, on avance les pieds d'une fois qu'on l'a. Trouvez toujours la zone la plus inconfortable. C'est un grand moment de solitude. Soufflez. Et inspirez. En relâchant. Ainsi de suite. Après le massage, on tire notre corde où il y a le nœud qui a été défait. Donc, exemple d'étirement et de mobilisation articulaire. Le but, c'est de mobiliser un petit peu tout ça. On peut l'étirer aussi debout, mais moi, je vais le montrer assis. Très simple, on se colle les fesses contre la chaise. Placez les mains sur les genoux. Soufflez et arrondissez le dos. En amenant la tête le plus bas possible et en poussant le dos le plus haut possible. Inspirez et redressez-vous. Ne venez pas cambrer le dos, mais venez chercher la longueur, comme s'il y avait un câble qui vous tirait vers le haut. Expirez. Inspirez. Voilà. Si vous avez une canne, c'est génial au niveau de l'appui. D'accord ? Comme j'ai dit avant, ce n'est pas facilement transportable. Vous pouvez le faire sur toute la partie du dos. Également, au niveau des épaules, c'est simple, c'est le même principe. On peut se décaler et trouver une zone qui est un peu difficile. Et ensuite, on peut étirer notre muscle droit derrière. Même chose au niveau fessier. Vous pouvez placer au niveau fessier sur la région fessière. Souvent là, c'est assez lié avec les problèmes de dos. Et vous venez faire le même exercice, mais cette fois-ci avec la cheville sur le genou. Donc, poussez simplement ce genou sur la cheville, on enroule. Et on déroule tout avec la respiration. Alors là, j'espère que cette vidéo vous plaît. Je vais en faire d'autres sur les automassages et les étirements. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis, quand tu aimes bien ces fêtes, mettez et éliminez également. Allez, bye bye.